Alors, le 6.18. On doit trouver l'air entre ces deux courbes-là. La première chose à faire, c'est de trouver les points d'intersection. Au passage, si vous voulez faire un petit croquis, x carré sur 4, c'est quelque chose comme ça, et mx, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc ça donne une idée de ce à quoi ça va ressembler. Hop, ça continue comme ça. Alors, les points d'intersection. Points de intersection. F de x égale g de x. Ça veut dire... x carré sur 4 égale mx. Écrit autrement, x carré moins 4mx égale 0. Jérôme qui n'a pas lu le problème encore. Donc on a une fonction qui est une droite, ça c'est une droite qui passe par l'origine. Et puis on ne connaît pas cette valeur de m. On nous demande de trouver la valeur de m pour que l'air entre les deux courbes soit égal à 9. Voilà ce qu'on nous dit. Oui, ça veut dire qu'on a 2 zéros, x égale 0, x égale 4m. Donc l'air, ça va être la valeur absolue de l'intégrale entre 0 et 4m de x carré sur 4 moins mx dx. Oui. Oui. On devrait mettre. Mais d'après le graphe, on sait que c'est égal. Vous faites un graphe. Parce que, en fait, on va trouver deux valeurs possibles puisque cette droite-là, ça c'est avec un m positif, ça c'est avec un m négatif. Elle définit aussi. Donc on va trouver deux valeurs de m possibles. Oui. Ah, dans ce sens-là, oui, ça ne va pas avoir d'importance. Puisqu'on prend la valeur absolue à la fin, ça ne change que le signe. Donc ça ne va pas... Alors ça fait quoi? X cube sur 12... moins mx carré sur 2 pas sur 12, ça fait x3 sur 3, puis on l'a sur 4, donc 3 fois 4 ça fait 12, ouais, je pense hein. Alors ça fait 4 fois 4 16 fois 4 64 m au cube sur 12 moins 16 m carré sur 2. Et puis en 0, c'est égal à 0, donc ça donne ça. Juste. Pas m carré, m cube. M cube. Pourquoi? Ah, j'entends tout ce que vous dites. Alors ça fait quoi si on met ça sur... on prend toujours la valeur absolue, hein.
6. 16 fois 6. Cube. Non, cube. On a m carré ici, puis fois m, donc ça donne au cube. Donc ça donne 64 m cube moins 6 fois 16, ça fait 96. Et 64 moins 96, ça fait moins 16 sixièmes, ça fait 8 tiers. Et on veut que la valeur absolue de cette chose-là soit égale à 9, ça veut dire qu'on a deux possibilités, soit c'est pas des mètres cubes. Donc m égale moins 3,5 ou m égale 3,5. Et de tête, il me semble que c'est juste.